amis. Eh bien, bonjour à tous. Ben voilà, l'armoire est vide. J'étais tout planté au jardin, donc je plaisante. Alors, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai plus de place alors que j'ai pas encore semé mes tomates. Donc là, je vais semer mes tomates. Donc, j'ai tout mis là. J'ai fait un truc provisoire, comme j'ai fauché les idées. J'avais des sources. Ouais, mon haut drapeau. Non, je pense pas. Fait pareil, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, donc j'ai fait ça à la va-vite, hein. C'est un truc provisoire pour l'instant. Il sera amélioré après la saison. Hein. Parce que ça va y avoir plein de projets. Il y a des projets en route. Oui, il y a des projets en route. Ici, ça sera. Donc ce coin ici, voilà, sera réservé à Jaco que la nurserie. Voilà. Et ça va être complètement transformé. Donc là, ça a été fait rapidement parce qu'on avait besoin de place urgemment. Voilà. Donc voilà, bon, tout ça. Tu as bien levé, hein, tu as bien poussé. Ça, oui. C'est mes poivrons. Hein, là, c'est les aubergines que j'avais séparées des porte-greffes et rempotées, mais elles sont parties, ils commencent à faire leurs feuilles. Ouais. Là, c'était un autre test qu'on a fait avec des petits moineaux de l'aubergine, du poivron. Aussi. Là, j'ai du persil, persil frisé, avec des porte-greffes pour poivron qui nous viennent de Corse, on va se reconnaître. Ça c'est rempoté. Ça c'est les, ouais, ça c'est les porte-greffes qui ont été rempotés. Ouais, il faut qu'ils s'arrêtent, hein, parce que là ils commencent à. Donc là on voit que la Arnold. La Arnold. Beaucoup plus de levée que les hein. Autres. Hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est, là, je c'est me la Fortamino, la Beaufort. Toute le levée n'est pas terrible. Ouais. Et là, c'est les céleri et persil rave que vous avez vu dans la dernière vidéo. Ouais. Et quand on dit persil rave, c'est persil, parce que. C'est le persil cubéreux. C'est... Hein, voilà. C'est pareil, c'est et rave, ça c'est se mange comme le persil, comme le céleri rave. Vous pouvez mettre en soupe. Vous pouvez mettre en soupe. Vous pouvez faire avec une vinaigrette ou alors une mayonnaise. C'est voilà, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Comme vous le désirez. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 6 février. Février. On est en pleine tempête. D'ailleurs vous allez certainement l'entendre, le vent, voilà, la ça pluie. Ça souffle à 90 km/h. Il pleut à la verticale. Bon, bien sûr, les semis que je vais faire maintenant, c'est pour faire de la greffe. Hein. Si vous ne faites pas de greffe, attendez fin février pour ceux qui ont une serre et fin mars pour ceux qui n'ont pas de serre. On met dehors. On s'excuse, on espère que vous allez bien entendre parce qu'on a des sacrées rafales dans la porte là. Ouais, ça souffle. Hein. C'est... Wow. Oui. Ouais. Donc cette année, on va faire, du coup, ça nous a un peu déstabilisé. Cette année, on va faire trois semis. Hein, trois semis. Donc un maintenant pour mes greffes, un fin février pour mettre en serre sans greffer et un. Fin mars pour mettre dehors. Pour mettre dehors. Voilà. Il y en aura pour tout le monde. On met aussi dehors. Voilà. Donc là, j'ai un petit sujet où je vais me faire frapper dessus. Je vais prendre une volée de bois vert. Bon, c'est pas grave, je m'accoude. Donc, je ressens souvent parler de tomates hybrides. C'est bien de préciser si c'est une tomate hybride dite ancienne ou tomate hybride F1. C'est pas pareil. Hein. F1, c'est pour une saison. C'est-à-dire que cette saison, vous allez semer cette variété. Que vous allez avoir pratiquement pareil sur tout le pied, alors que l'année prochaine vous ne pourrez pas refaire des graines avec parce que vous aurez autre chose, avec une hybride dite ancienne, fixée, celle-ci vous pourrez la multiplier chaque année, qui ne sera pas pareil sur le pied, hein. Il y aura un détail différent, c'est normal, c'est pas du F1. Voilà, donc du F1 je vais en semer 11 variétés cette année, et ouais, je vais semer 11 variétés. Parce qu'on entend plein de choses sur les fins, on va essayer de faire une vidéo qui va prouver si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, on dit souvent trois choses sur les fins. Il y en a deux, je suis tout à fait d'accord. Je suis sûr que c'est vrai. On ne peut pas reproduire les graines. Je viens de le dire. Hein, donc, si vous reproduisez les graines, vous aurez des pieds de tomates avec les graines que vous aurez fait, mais sûrement pas la même chose. Et une deuxième chose qui est vraie aussi, c'est que les graines de F1, c'est un budget, c'est très cher. Donc voilà. Il y en a aussi une troisième chose, ils disent que souvent ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse, c'est de la flotte, des tomates qui sont dures. Je suis à moitié d'accord avec vous, avec ceux qui disent ça, je suis à moitié d'accord parce que si vous achetez des tomates au mois de décembre, janvier, février, mars, dans le commerce, c'est sûr que vous allez tomber sur des tomates comme ça. Dégueulasse, parce qu'ils n'ont jamais vu à la terre. Ça s'est poussé dans du laine de roche, quoi. Ou du coco maintenant. Hein, oui, c'est coco, vrai. Là, broyé. Et puis avec une perfusion d'engrais pas naturel. Voilà. Voilà.
Donc, ce que je vais faire, mes 11 variétés, je vais les semer cette année. Maintenant, je pourrais les greffer comme mes tomates anciennes. Et je vais les planter dans la serre, parmi les autres. On en mettra dehors aussi, je pense, Jaco. Il y en aura sûrement dehors aussi. En fin de saison, quand ils seront bien poussés. Parce que j'ai pris, dans les fins, j'ai pris toutes les couleurs. Il y a de la noire, il y a de la jaune, de la orange, il y a de la verte. Non, on n'a pas pris vert. Bigarrée. On a pris la bigarrée. Bigarrée, rose, rouge. Ouais. Et ils seront mélangés dans des assiettes, hein, avec les anciennes. Et on les fera goûter à des gens. On leur demandera s'ils sont d'abord d'accord qu'on les filme. Et on les goûter et donner leur avis. Et puis on découvrira les noms à la fin de la dégustation. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ce que je vais semer aussi beaucoup, là, c'est mes porte-greffes, parce que les porte-greffes, ils sont pas... C'est pas la joie. Je vous explique ça. Avec mes porte-greffes, Fortemino, tout le réussite, pas terrible. Donc là, en plus, je vais paquer. Oui. On avait pris un paquet de 100 et un paquet de 50. Bah oui, il m'a resté 120, je vais tout semer. Hein. Mm-hmm. Oui, je vais tout liquider. D'accord. Et pour espérer en avoir la moitié. Mm-hmm. Beaufort, c'est pareil, pas beaucoup de levée non plus. Moyen. Plus 40%. Donc pareil, il me reste quelques graines et je vais semer aussi. Par contre, l'Arnold, 80%. Mm-hmm. Pas mal. Et la Petit Manou, 100%. 100%. Ouais. Et puis, je vais aussi semer de la... Protector. Voilà, je vais se reconnaître. Merci encore. Hein. Gentil, ça fait un bon cadeau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais semer aussi? Comme variété ancienne, je vais vous le dire cette année parce qu'il n'y en a pas des masses. Il y en a, donc il n'y en a pas 3 millions. Donc, je vais semer la cœur de Boulogne-sur-Mer, qui sera RF4. Alors, ça, c'est notre tomate. C'est pas peine de demander la différence, parce qu'il y a la RF4, donc pas fixée encore. Donc, on ne distribue pas de graines. Par contre, celle-ci, à fin de saison, elle sera fixée, c'est la Lydie Rose. Voilà. Ça, c'est des graines de 2021. Hein. Normal, vu qu'elle n'est pas encore fixée. Elle le sera cette année. Hein. Bon, enfin, on peut dire que là, elle est pratiquement. Ouais. Elle donne vraiment ce qu'on a demandé. À la limite, hein, cette année, rose, en 2021, elle était bien. Elle était, tomate elle était rose, bien. Plate, ronde, côtelée et les épaules vertes. C'est exactement ça. Donc, en fait, saison, si on réussit, hein, si on ne sait pas ce qu'on va raconter, on distribuera des graines gratuitement. Il suffira de l'enveloppe. Contre une enveloppe timbrée. Voilà. On va semer aussi la Purple Delicious, parce que c'est une rouge. Burpee Delicious. Burpee. Burpee. Ah, pardon. J'ai dit Purple. C'est pas grave, je crois. C'est pour vraiment, je m'embrouille. La Summer of Love, c'est une très belle tomate. Ah ouais. Elle est belle. Une très belle pie, surtout, elle est très bonne. La Zlot. La Zolotoy Corolle, la ferme 2021. Donc on a fait des graines très très grosses. Donc on va essayer d'être la fixer très très grosse. On s'amuse. Cerro Blackburn. Orange. Normal. Ça veut partir, c'est un goût. C'est pas nous qui lui avons donné son nom. Hein. Non, c'est un goût. pour rien. Non. Un goût. Très bon. Aïe. Les tomates oranges, c'est les plus sucrées. Ouais. Dwarf Purple Heart. Ça, c'est... 2021. Voilà, 2021, c'est ce qu'on a fait, pour nous, les meilleurs tonneurs de crème. Oui. Enfin, pour nous, bien sûr. C'est notre goût. On ne peut pas vous dire les 10 meilleures tomates, c'est ceux-là. Non. Et après, c'est une histoire de goût. Il y en a qui m'ont vanté des tomates, nous, quand on a goûté... D'ailleurs, quand on faisait à l'époque des démonstrations de tomates, quelquefois Jaco aimait bien certaines variétés, moi non. Et vice versa, quelquefois moi j'aimais bien, Jaco non, et voilà, on peut pas avoir tous les mêmes goûts. Hein. Donc là c'est pareil que pour le bouquin, pour vous trouvez vos meilleures variétés pour vous, à votre goût. Voilà. Faites-en plusieurs, goûtez-les, puis vous verrez. Tout à fait. Et la Zlotiozarowski, on va faire aussi. Ah, ça on l'a racheté par contre. Celle-ci on l'a racheté.
parce qu'on l'avait plus. En fait, on l'avait fait en 2019. 19, je ne sais plus. Oui. On a distribué tellement de graines qu'on s'est aperçu que c'était trop tard que le paquet était vide et puis nous, on n'avait pas de fait de. Voilà. En fait, d'habitude, je mets tout de suite de côté pour nous et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, le paquet est passé à côté et quand j'ai regardé, il n'y avait plus de graines, j'avais tout distribué. Voilà. Donc, on va faire aussi, ce qu'une variété que vous nous a envoyé aussi, c'est la Rosa de Barbastro. Alors, elle a été assez rare aussi. Là, pareil, la Rosa de Barbastro, on l'avait faite aussi en démonstration. Ouais. Elle était conforme à la démonstration. Enfin, il y avait juste un critère bon, qui était moyen. Ouais. Et les autres tomates qui étaient sur le pied, qui avaient été protégées, quand on les a goûtées, n'étaient plus conformes, en fait. Donc, on a supprimé la variété complètement. Ouais. Et un YouTuber nous a envoyé des graines. Enfin, nous a demandé si on voulait des graines. Ouais. Et là, on a dit oui. Voilà. Donc voilà, donc c'est parce que vous les connaissez peut-être pas tous, donc là-dedans il y a des précoces, des tardives et des saisons. Oui, on sème tout à la même date. Hein. C'est ce qui se fait là-bas. Hein. On ne fait pas différence semis par rapport à la précocité. Tout se sème à la même date. Voilà, donc je vais commencer par semer mes portefeuilles, bien sûr, vous filmez tout. Hein. Non. Donc, je fais ça sur un plaquet violet, hein, avec le terreau universel. Ok. Et puis voilà. Bon oui, là on va pas faire le. Non, sinon ça va durer. 3 heures. Voilà. Voilà. Pareil, on va pas semer des milliers non plus, on va semer des petits coquilles. Alors oui, certaines variétés, on va semer 5 graines et d'autres variétés, ce sera 10 graines, hein, Jaco. Ouais. Voilà. À part les porte-greffes. Hein. Sauf la porte-amino, j'ai tout mettre. Ok. Voilà. Donc là, on va vous quitter là. Je ne vais pas vous faire le semis complet. Par contre, on peut peut-être préciser, Jaco, une graine par alvéole. Oui, il faut toujours une graine par alvéole. Si vous en mettez 2-3 par alvéole, aucun intérêt. Prenez un petit goudet. Voilà. Si vous n'avez pas de plateau alvéolé. Vous allez devoir les séparer, vous allez avoir des racines nues. Donc, aucun intérêt de faire des bouchons. Ça marche. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.